Oui, ça fait du bien à entendre. Merci. Notre concert de décembre, ça devait être notre premier concert devant public depuis longtemps. Et c'est la journée du 20 décembre, je pense exactement, où les consignes ont changé pour le soir même. Et donc, on a dû faire le spectacle pour les caméras. Il y a peut-être certains parmi vous qui ont vu ce spectacle-là à distance. Puis ça fait vraiment beaucoup de bien d'être de nouveau en présence. Alors, voilà, on a vu la classe d'arrangement jouée par des professionnels. Et là, on va jouer des arrangements professionnels par nos étudiants. Alors, vous verrez qu'est-ce que vous aurez préféré entre les deux. On commence avec un standard, on commence ce mollo avec un standard qui s'appelle « After You've Gone ». Thank you.
vous avez entendu Laurent Cauchy au trombone. Ça fait quelques années que j'enseigne à Marie-Vic et ça fait la moitié de ça que je dirige le Big Band. J'ai eu la chance d'avoir des étudiants formidables dans le band d'arrangement que vous avez entendu avant moi. J'étais flanqué de deux de mes anciens étudiants ici. C'est vraiment formidable le sentiment de voir ces élèves grandir. Et là, j'ai Laurent Cauchy qui est en dernière année avec moi, qui a fait un travail remarquable et vous l'entendrez encore au cours de la soirée. Oui, applaudissez-le bien. On va continuer toujours un peu relax avec une pièce qui s'appelle April in Paris avec un rythme brésilien. Thank you.
Vous avez entendu Nicolas Haddad-Edeziel à la trompette ainsi que Antonin Gilbert au saxophone ténor. La prochaine pièce, je vais demander d'applaudir bien fort une finissante qu'on a ici cette année, tout droit de Hautier Nord, mademoiselle Elisabeth Cormier. Alors, la pièce s'appelle « All the things you are », un des grands classiques du jazz. Et j'ai la chance cette année de compter dans mon band une excellente section rythmique et le contrebassiste ici présent, Nicolas Band. C'est un instrument difficile à mettre en valeur dans la mesure où le registre et l'agilité de l'instrument le permet rarement. Mais pendant une répétition, je l'entendais pratiquer des choses, s'amuser, puis je me suis dit « Wow, ça pourrait être quelque chose de formidable ». Alors, je vais vous laisser avec Nicolas Band. Mon seul mérite, c'est de l'avoir mis en valeur. C'est une création de sa part, l'introduction de cette pièce. Alors, Nicolas, quand tu veux. Moment of
Merci beaucoup. Élisabeth Cormier, mesdames et messieurs. Merci. Bravo. Bravo. Nicolas Barne à la contrebasse. La prochaine pièce, on va aller dans le répertoire du grand Buddy Rich. C'est un blues. Pour ceux qui ont un peu regardé la musique jazz, le blues est un peu la porte d'entrée vers l'improvisation comme forme, donc pour improviser par-dessus. Et vous allez entendre tous les musiciens du groupe pendant un solo, plus ou moins long, dépendamment. Mais vous entendrez toutes les sections mises en valeur dans cet arrangement assez robuste de Big Swing Face. Saxophone du Big Band, Simon Vadely, Pierre-Wentz Buteau, Amélie Campeau, Thomas Gaudin et Antonin Gilbert. Nous allons maintenant entendre les trombones, commençant par Laurent Couchy. Thank you.
Étienne Nolman. Stanislas Kandelman, Laurent Cauchy, Simon Gaudet et Olivier Lizotte. Et maintenant, la section du Big Band dominante tout le temps, les trompettes. Monsieur Philippe Olivier. Nicolas Denésiel, Raphaël Colavita, Colin Fournier-Lepage, Philippe Olive et Charles-André Rivet. Nous allons poursuivre avec M. Nicolas Bande à la contrebasse. Vous pouvez l'ouvrir plus. Thank you.
Kevin Dumais à la batterie. Merci. Après tout ça, je vais vous les représenter l'un après l'autre. Laurent va s'installer pour la prochaine pièce, puis on va donner une chance à toutes ses lèvres de se reposer quelques secondes pendant que je présente.
Mon professeur du secondaire est dans la salle ce soir, Robert Jourdouin. Applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. Merci. Sans lui, je ne serais pas là. Sans avoir été à cette école-là, je ne serais pas là. Sans avoir rencontré cette personne-là, je ne serais pas ici en train de faire ce que lui m'a appris la première fois. On ne se rend pas compte à quel point c'est important, les gens qu'on croise, les professeurs qui vont nous marquer. Je me souviens, j'étais ticoun, j'étais en secondaire 2. Il est venu me sortir du local, il m'a fait faire une audition. C'était comme ça. Il m'a fait jouer mes gammes, il était bien sérieux en plus. Puis là, moi, j'étais super nerveux. Puis finalement, il m'a pris dans son band de 4-5 parce qu'il manquait un trombone basse. Alors, je m'étais rajouté au trombone basse. On a Olivier Lisotte au trombone basse, d'ailleurs, qui est un professionnel qui est venu nous aider. Applaudissez-le bien fort. C'est une denrée rare. Et donc, c'est le rôle qu'on m'a destiné. J'ai fait la session avec les grands. Dans ma classe, tout le monde parlait, hey, Mathieu, joue avec les 4-5. Il est super, c'était cœur. À la fin de la session, j'étais quand même plus petit que tout le monde. T'sais. Puis à un moment, mes amis, eux, ils allaient jouer au hockey dans la ruelle. J'avais un peu envie d'aller jouer au hockey dans la ruelle. J'ai donc décidé de rater une répétition du Big Band pour aller jouer dans la ruelle au hockey. Robert m'a dit, pourquoi tu n'étais pas là? J'ai comme balbutié une excuse sur quelque chose qui ressemblait à ça. Et il m'a pas mis dans le show final. Il m'a dit, regarde, c'est pas sérieux, tu peux pas faire le show de fin d'année. Puis, tu sais, ça va. J'ai regardé le show dans la salle, puis j'ai pensé à ça, Robert, en voyant le solo de drum, parce que je me souviens que à la fin de l'année, c'était toujours le Big Band de 4-5 qu'on regardait, qu'on avait hâte de voir. Puis le clou du spectacle, c'était toujours le solo de drum. Puis je me souviens d'être assis dans le fond de l'auditorium à Saint-Luc à me dire, qu'est-ce que j'ai été faire à jouer au hockey? Voyons donc, je pourrais être sur le stage là, à jouer cette tune-là avec eux. Et après ça, j'ai plus jamais manqué de répète. Même quand tu as mis les répètes à 6h15 le matin, j'étais là. J'exagère à peine, mais on pratiquait très tôt. Bref. Tous ces étudiants-là que vous avez devant vous ont, comme moi, croisé quelqu'un de marquant dans leur secondaire en quelque part. Alors, je vais vous les présenter un à un et je vais vous dire d'où ils viennent. J'ai pris en note leurs écoles secondaires, justement, pour qu'on sache d'où ils viennent. Alors, on va commencer avec les Saxes, puisqu'ils sont là devant moi. J'aimerais que vous fassiez une grande main d'applaudissements. Vous avez au sax ténor un étudiant qui est en saxophone classique, qui est en fin de session. Il a relevé le défi de prendre des solos dans un band de jazz, quelque chose qui n'était pas du tout sa zone de confort. C'est un étudiant excellent. Je le dis et je le redis parce que c'est important de le souligner. Il a même eu la médaille du lieutenant-gouverneur général comme étant le meilleur étudiant du cégep, pas juste en musique. Ça vous donne une idée de son niveau de sérieux. Lui, il ne va pas jouer au hockey pendant les répétitions. Alors, j'aimerais que de l'école... que je dise pas de niaiserie, il faut que je commence par là. De l'École d'éducation internationale, de McMasterville, d'où Sylvain vient aussi, j'aimerais que vous applaudissiez bien fort, Antonin Gilbert. Bravo, Antonin, vraiment. À sa gauche, vous avez un jeune homme qui est très drôle. Dans une équipe, ça prend toujours quelqu'un comme ça qui détend l'atmosphère, qui niaise le coach, ça met tout le monde dans l'humeur. C'est quelqu'un dont j'ai appris qu'il a fait des détours. Il a déjà fait un bac, en fait, il est arrivé. Donc, malgré sa tête, il n'a plus 17 ans. Il est effectivement un peu plus vieux. Il a fait un bac en design 3D, tu m'as dit? Ouais. Et maintenant, la passion de la musique l'a repris. Par contre, c'est un étudiant en clarinette classique. Et donc, lui aussi est sorti de sa zone de confort pour jouer du saxophone et du jazz. Alors, de la polyvalente Sainte-Thérèse, j'aimerais que vous applaudissiez bien fort, M. Thomas Gaudet. À sa gauche encore, nous avons une jeune fille que je vois depuis plusieurs années dans le band. Elle était là, il y a déjà au début, avant la pandémie, elle était assise sur cette chaise-là. Elle est en piano comme instrument principal. Vous avez entendu un de ses arrangements, un excellent arrangement de Just Friends tout à l'heure. Donc, une pianiste, ça arrange bien. C'est pas juste. Là, il voit toutes les notes tout le temps. Mais super arrangement, vraiment. Et non seulement elle est en piano, mais elle joue du saxophone. Alors, de l'école, Mont de la Salle à Laval, je vous demande d'applaudir bien fort, madame Amélie Campeau. À sa gauche, ça va être long, hein, mais ça vaut la peine. Nous avons un jeune homme au caractère unique.
on savait pas trop au début, il était tout sérieux, il était pas sérieux, j'étais pas sûr. J'ai eu des doutes, mais j'ai vite vu qu'il était capable puis qu'il était là tout le temps. Et on a été joué dans son école. Ceux qui font de la musique, qui ont déjà été dans des départements de musique, savent à quel point d'aller voir la relève, c'est important. Et donc, on a commencé à faire des concerts. Bon, la COVID a freiné notre élan, mais on a réussi à faire ce concert-là dans son école secondaire. Il a été accueilli comme une star par ses anciens, puisque c'est un étudiant en première session. Il était là l'année dernière. Alors, de l'école secondaire Henri Bourassa, ici à quelques blocs, je vous demande d'applaudir bien fort, monsieur Kerwens Buteau. Bravo, Kerwens. À sa gauche, après c'est fini pour les sax. Ce jeune homme était en saxophone à la même école que moi. Il a d'ailleurs mon nom, c'est pas pour rien, c'est mon frère qui a choisi une autre carrière que la musique, mais qui a fait de la musique dans les orchestres de Robert Jourdouin à l'époque, en sax, en guitare, a fait Saint-Laurent en guitare, a fait finalement l'école de journalisme et a continué à jouer du sax comme amateur dans des fanfares et autres projets divers, souvent des fanfares mobilisées et mobilisantes. Alors, on avait une vacance sur le siège du baryton. Et donc, il a relevé le défi de se joindre à nous. Et il a tellement aimé ça qu'il est en train, il a fait ses inscriptions pour revenir au cégep en musique ici, pour terminer ses études de musique. Alors, j'aimerais qu'on applaudisse bien fort de l'école secondaire Saint-Luc, d'où Robert Jourdouin vient et qui nous a fait, M. Simon Van Vliet. Voilà. Peut-être que je vais garder les sections pour entre les chansons, ben, ça va être interminable à ce rythme-là. On va continuer, je vais vous présenter les trombones après. D'ailleurs, celle-ci va mettre en vedette M. Laurent Cauchy, dont je suis très fier. Il faut savoir que les programmes de musique au secondaire sont assez inégaux. Il y en a qui ont des cours privés, il y en a qui ont toutes sortes d'encadrements. Laurent venait d'une école où il n'y avait pas de cours privés. Et donc, il est arrivé ici sans avoir jamais eu un spécialiste du trombone qui l'avait... Et en première session, on a travaillé très fort, très, très fort. Et vous avez entendu mes anciens étudiants, eux, je les avais eus à 11 ans. Ils avaient grandi avec moi avant de me rejoindre ici, et donc ils avaient une base solide. Mais je vous dis, Laurent a fait un travail absolument phénoménal depuis sa première session, et vous allez l'entendre là, maintenant dans toute sa splendeur. Monsieur Laurent Cauchy dans « Round About Midnight ». Thank you.
C'est vraiment très spécial de voir des étudiants comme ça se développer, puis t'es rendu là dans les cours, on fait de la musique ensemble. Vraiment, c'est quelque chose de spécial. Alors, Laurent, tu vas me manquer l'année prochaine, vraiment. On va continuer avec... si Nicolas ne court pas après sa mute, on va... La prochaine, c'est un standard du répertoire de Big Band. Ce n'est pas du tout un standard du répertoire jazz. C'est un saxophoniste et arrangeur qui s'appelle Bob Mitzer, qui a travaillé énormément avec Buddy Rich et avec d'autres. C'est vraiment un arrangement signature. Ça date des années 70, mais c'est déjà précurseur des rythmes de hip-hop qu'on peut entendre aujourd'hui. Vous allez entendre, ça swing, mais c'est funk. C'est les deux en même temps. Et ce n'est pas un arrangement facile à placer. Ça, ce n'est pas un arrangement scolaire du tout. C'est vraiment un arrangement qui est exactement l'arrangement enregistré par le band original. Et donc, ça a été un beau défi à monter. Et on est rendu à une place très intéressante là-dedans. Les trompettes ont une mute qui donne un timbre tout à fait unique au thème qu'ils vont jouer. Et je vous présente maintenant Slow Funk.
T'sais, après ça, j'ai envie de vous présenter la section de trompette avant de revenir au trombone. Monsieur à gauche, les deux à votre gauche, en fait. C'est mon pusher de trompettiste, Dominique Léveillé, un bon ami qui était assis dans la section un peu avant. Quand j'ai des chaises vacantes, j'ai dit, Dominique, as-tu des élèves à me référer? Alors, le premier à votre gauche s'appelle Nicolas Haddad Edéziel. J'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort. Il n'était pas au secondaire. Tu m'avais donné ton école secondaire, hein? Non? Ah oui, tu étais au Collège de Montréal. Voilà, collège. Est-ce qu'il y avait de la musique là-bas? Ah non, c'est ça, ça n'a rien à voir, hein? C'était à la fête. Bon, bref. C'est un adulte qui est venu se joindre à nous. Jazzman la nuit avec un métier de jour. Bel job, belle improvisation, belle oreille. Le monsieur immédiatement à sa gauche, ceux qui ont vu le concert de Noël le savent déjà, c'est un cas tout particulier. C'est un jeune homme qui est encore au secondaire. Il est toujours à l'école secondaire Jean-Eudes, qui n'est pas très loin d'ici, qui ont un excellent programme de musique. Et Dominique est son prof en privé là-bas et il m'a dit « Ah, j'en ai un kid en secondaire 4. » Je suis comme sur l'arcade, là, franchement, tu sais, de quoi tu parles? Il est arrivé aux répétitions, il a fait un super boulot, il s'est développé beaucoup au cours de l'année, je l'ai vu, je l'ai entendu et je l'entends encore plus ce soir quand il prend des chances. Ceux qui connaissent un peu le Big Band savent que la chaise de première trompette, c'est la chaise la plus difficile, la plus exposée certainement, juste à cause du registre qu'il doit aller chercher. Alors j'aimerais qu'on fasse un immense applaudissement pour M. Raphaël Colavita. À sa gauche, nous avons un jeune homme extrêmement doué que j'essayais de courtiser à la session d'automne. Je n'avais jamais réussi à mettre la main dessus. J'avais parlé à son prof. Son prof a dit « Ah, oh, j'ai dit, il n'y a pas le temps, il ne peut pas. » Finalement, on a fait un concert au Café étudiant. Il est venu voir le concert. Puis après le concert, je lui ai dit « Puis, as-tu envie de jouer avec nous quand même? » Il a fait « Oui, oui, j'ai vraiment envie de jouer avec vous autres. » Il avait envie de relever le défi. Il est en trompette classique, excellent trompettiste classique. Il faut savoir que la technique entre la trompette classique et la trompette jazz, bon, l'instrument, c'est la même technique, mais la manière de jouer est quand même assez différente. Et la chaise de première trompette est tout un défi. Ce jeune homme a apporté toute la stabilité, a permis à Raphaël aussi de prendre des breaks. Ils ont splitté la job de lead trompette dans la deuxième partie de l'année. Et ce jeune homme vient de l'école, l'excellente école de musique Joseph-François Perrault. J'aimerais que vous fassiez une bonne main d'applaudissement pour M. Colin Fournier-Lepage. Bravo, Colin. À sa gauche, j'avais un jeune homme qui était au cégep et que je n'avais jamais vu à cause de la pandémie, évidemment. Alors, je l'ai découvert cette année. Il a fait une super job, belle progression cette année, Philippe, incontestablement. C'est ta deuxième année, c'est ça? J'ai manqué ta première. Bon, formidable. Vous imaginez pas comment ça devait être compliqué enseigner et étudier la musique en temps de pandémie. Alors, monsieur est originaire de Gatineau, de l'école Hormidas-Gamelin. J'apprends l'école en vous le disant. J'aimerais que vous applaudissiez bien fort, monsieur Philippe Olive. Et à sa gauche, c'est un ancien de l'école ici. Il a fait le Big Band pendant au moins 2 ans avant la pandémie et il a répondu présent à l'appel quand le Big Band a redémarré en septembre dernier. Il est en composition à l'Université de Montréal, si je ne m'abuse. Alors, merci d'être toujours parmi nous. J'aimerais que vous applaudissiez bien fort, M. Charles-André Rivet. Alors, je vais vous présenter rapidement les trombones et je garde la section rythmique pour la fin. Donc, au trombone à votre gauche, en fait, Gabriel qui était dans le band que vous avez vu précédemment à ma gauche était notre lead trombone cette session. C'est un ancien qui a dû quitter parce que la vie professionnelle a suivi son cours. Et ce jeune homme est un professionnel aussi, docteur le jour et jazzman la nuit. Et c'est un de mes amis qui l'avait comme étudiant dans une école de musique de Montréal. Alors, je vous le présente donc de la Coop de musique de Montréal. J'aimerais que vous applaudissiez bien fort. Il relevait un défi de monter le show en 2-3 mois, alors que tout le monde a eu un an. Monsieur Stanislas Candleman au trombone. À sa gauche, je vous l'ai déjà présenté beaucoup et je le présenterai encore avec grand plaisir. Il vient de l'école Georges Vanier à Laval qui nous envoie toujours des excellents étudiants. Alors, une main d'applaudissement pour M. Laurent Cauchy. Et à sa gauche, on a Simon Gaudet que j'ai rencontré la dernière session. C'est mon étudiant au cégep de Joliette. Il était en euphonium classique. Je l'ai converti au côté obscur de la force avec grand plaisir. Il est maintenant un tromboniste jazz heureux. J'aimerais que vous applaudissiez bien fort, M. Simon Gaudet.
Et à sa gauche, je vous l'ai présenté rapidement tout à l'heure, c'est un tromboniste professionnel qui a fait, il fait carrière déjà. Il a accepté de venir lire à vue le spectacle de ce soir. Donc, quand on est professionnel, c'est ça que ça donne. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Olivier Lizotte. Alors, on achève déjà, hein, on arrive à l'avant-dernière pièce de la soirée. Alors, c'est un standard du funk, c'est le bassiste Jaco Pastorius qui a popularisé et composé cette chanson. Ça s'appelle « The Chicken ». C'est comme une espèce de featuring de basse électrique, fretless dans le cas de Jaco. Sachez que Nicolas est ici en instrument, en contrebasse. C'est pas tout à fait le même instrument, vous le constatez visuellement assez facilement, n'est-ce pas? Et notre bassiste nous a lâché juste à la toute fin de la session, dépassé qu'il était par tout ce qu'il avait à faire. Et Nicolas a relevé tout un défi en apprenant la dernière pièce et cette pièce-ci en quelques semaines à peine. Alors, une bonne main d'applaudissements pour M. Nicolas Bonne d'avance. Et je vous présente donc The Chicken. We'll be right back.
Excellent. C'était The Chicken. Alors, vous avez entendu Marc-André Hainaut au piano. Véritable couteau de Suisse du département de musique. Je l'ai entendu chanter du chant classique. Je l'ai entendu chanter du hip-hop. Je l'ai entendu faire toutes sortes d'affaires ici. T'as fait Starmania aussi, hein? Oui, oui, c'est ça. T'es vraiment, il a touché un peu à tout. Formidable musicien aux multiples talents. Alors, Marc-André Hainaut. Bravo. Et là, après ça, au piano, écoutez, bon, regarde. Moi, je joue du trombone, c'est assez tough de même. Là. Aux guitares, vous avez entendu deux guitaristes différents. J'aimerais souligner leur travail, leur persévérance aussi, parce que je sais que ce n'est pas évident quand on partage la chaise de faire des répétitions, on attend la moitié du temps, on écoute, on apprend pareil, mais bon, on a envie d'être sur la glace plus que sur le banc dans la vie, et vous avez été très bons pour vous partager la job, les gars, merci. Vous avez entendu M. Yoa Wime à la guitare électrique. Et M. Antoine Piché. Il y a de ses fans dans la salle. Là, j'en oubliais mon concept de donner leur école secondaire. Attendez un peu, je repars à zéro. Là. Alors, nous avions au piano Marc-André Hainaut de Jean-Eudes. Un ancien de Jean-Eudes. Et Yoa, lui, venait de l'école secondaire L'Érablière à Saint-Félix-de-Valois. Et Antoine Piché de l'école Curé Antoine Labelle à Laval. Il a ramené toute l'école ici, donc. Okay. Alors, il nous reste les deux derniers, et non les moindres, croyez-moi. Un band, c'est comme une équipe de hockey. J'ai déjà fait de l'analogie à Noël, mais vraiment, j'ai une excellente section. Leur complicité s'est bâtie au fur et à mesure que la session avançait. Ils font un autre projet de jazz, un petit ensemble que vous avez peut-être vu à Noël aussi. Ils travaillent extrêmement bien tous les deux ensemble. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Vous avez donc Nicolas Bande à la contrebasse et à la basse électrique de l'école Collège d'Assomption. Et puis, Kevin Dumais, c'est un bonheur de l'avoir. On se regarde, il sourit, il sait ce qui se passe. T'sais, vraiment, je peux déléguer. C'est quand même important. Et donc, j'ai juste à le regarder, un clin d'œil, et même pas, il sait exactement ce qui s'en venait. Alors, faites un tonnerre d'applaudissements pour de l'école, la polyvalente de la Pointe-aux-Trembles, monsieur l'unique Kevin Dumais. Un big band n'est jamais aussi bon que son drummer, et on en a un excellent. Ah oui, avant de terminer la soirée en beauté, la prochaine pièce est un standard de l'époque disco, popularisé par Donna Summers. C'est la prof de chant pop ici qui m'a cherché des partitions. Tu sais, chaque année, c'est comme un travail de quel programme on ferait cette année. Puis elle m'a dit, ah, j'ai ça quelque part, j'ai déjà chanté. Elle m'a proposé l'arrangement. Et l'arrangement est bon, mais elle m'a proposé une de ses étudiantes qui est exceptionnelle. Si on réalise des choses en enseignant, c'est qu'il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Il y a des choses qui s'expérimentent dans la vie et elle, clairement, elle a fait des choses dans la vie qui lui ont amené une expérience et je ne suis absolument pas responsable de ce talent et de ce soul. J'aimerais que vous applaudissiez bien fort, Madame Diana Santos. La pièce de Donna Summers s'appelle Last Dance et ça va être notre dernière de la soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est la première fois, pourtant, en 6 ans que je dirige le band où on fait pour une salle ouverte. J'espère qu'on sera encore plus nombreux dans les années futures et qu'on va pouvoir passer le mot à vos amis et à vos cousins, cousines, aux écoles secondaires du coin pour qu'on ait encore plus de monde la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Je vous laisse avec Madame Diana Santos et The Last Dance. Last Dance.
Cégep Marie-Victorin. Robert Jaudoin. Sans qui, je ne serais pas là. Ça fait vraiment, c'est un plaisir de vous voir là. C'est un plaisir de vous voir là, M. Jaudoin. Je ne pourrai jamais le tutoyer. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Merci beaucoup. On espère vous voir l'année prochaine. On va jouer lundi prochain, lundi qui vient là, dans un bar de la rue Saint-Denis, si vous avez envie de faire ça dans un environnement un peu plus décontracté. Et j'ai démarré un projet d'amener cet ensemble à Cuba en mars 2023. Tout est en place pour que ça se passe et donc j'espère que vous reviendrez nous encourager à la prochaine session quand on fera des soupers spaghettis organisés par M. Thomas Gaudet et autres activités de financement. Merci beaucoup tout le monde, bonne fin de soirée. Allez, salut! À très bientôt, merci.